Bonjour mes petits sahbés, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé, parce qu'aujourd'hui il va falloir. Bref, on est parti, comme je vous l'ai dit sur Instagram, pour faire le cours avec mon petit Sam. C'est un coach que j'ai rencontré à la salle de sport à Yville où j'étais avant dans 91, et je lui ai proposé de nous faire un cours de CAF, cuisse abdo-fessier, qu'il a gentiment filmé. Donc là j'ai mis sur le PC le cours de Sam, je vais le laisser se présenter, et ensuite on y va. 30 minutes de bonheur, 30 minutes de brûlage de shahma. C'est magnifique, on kiffe, on valide. Donc, comme ça, ça vous permettra à vous de connaître Sam. Allez le suivre sur sa chaîne YouTube parce qu'il donne de très beaux conseils sur la gestion émotionnelle, le développement personnel. Et franchement, c'est un mec formidable. Et pour l'instant, il en a une intelligence artificielle, mais il va bientôt montrer sa pomme. Tranquille, tranquille. Allez le follow sur sa chaîne et lui donner de la force. C'est un mec comme ça. Bref, c'est parti mon kiki. Je vous laisse avec sa présentation. J'installe mon tapis et on est parti. Et là, il faut savoir que vous pouvez toutes me faire. Il est 19h48, j'ai la flemme de ouf, mais ça me tient à cœur. Donc, je vais le faire pour moi, pour vous, pour mon petit Sam. Et voilà quoi, on y va. Je te laisse se présenter. Bonjour à tous. Sam, coach sportif et en développement personnel. Mon ami Nat m'a demandé de vous proposer une séance pour vous aider à récupérer de cet été et vous donner un maximum d'énergie pour la rentrée. J'ai décidé de vous composer un CAF, un cuisse abdo-fessier. Pour celui-ci, vous aurez besoin d'un tapis, d'une gourde et d'une serviette. Voilà, j'espère que vous êtes motivés. On va se faire plaisir ensemble. On commence par les squats. Alors, sur l'échauffement, nous allons partir sur 40 jumping jacks. Une fois terminé, nous allons partir sur 20 quarts de squat. Je vous montrerai rapidement les exercices. Je vais mettre dans l'autre sens parce que sinon c'est le jumping jack, vous pouvez les effectuer ici. Si vous avez des soucis au niveau des genoux, ça compte pour 1, 2, 3, aucun problème. Et si tout va bien au niveau des appuis, on part hop sur des jumping jack classiques. Voilà, donc 40 jumping jack. Ensuite, on va partir sur les quarts de squat pour commencer à travailler le mouvement spécifique du squat qu'on va travailler ensuite dans la séance. Je vous le montre, de façon à ne pas s'épuiser au niveau des quadriceps, mais de travailler le mouvement spécifique. Donc les pieds au niveau des épaules, et on va partir ici, en quart de squat. On revient, hop, juste ici. Voilà, on envoie les fessiers vers l'arrière, les genoux ne dépassent pas la pointe de pied, et on revient tout simplement. Donc une vingtaine de quarts de squat. Alors j'espère que vous êtes prêts. On est parti pour cette séance. Alors c'est parti pour les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Première session, on va partir maintenant sur les quarts de squat. Êtes-vous prêts? C'est parti. Allez, on en fait 20, c'est rapide, ça chauffe bien et au moins des cours. Allez, c'est parti. J'ai pas pris d'eau. 1, 2, 3, 4, allez les filles. 5, 5, ça déchire. 6, 6, ça brûle au kiff. 7, 7, 8, 8, j'ai mal au kiff. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, et 20. Oui. Bravo. Donc, légèrement terminé. Là, normalement, au niveau des appuis, on est bon. Tout le corps est chaud. On peut partir pour la séance. Sur cette partie, pour cette première partie, on va commencer par des squats. Ce que j'aime bien dans les squats, surtout quand on part sur un CAF, c'est qu'on est déjà sur un cuisse à dos fessier. Donc là, déjà, on a tout qui va chauffer à bloc. On va préfatiguer l'ensemble des muscles qu'on va solliciter tout à l'heure. Et ça va nous permettre d'avoir une musculature, déjà d'être fatigué, donc au niveau du cardio, ça va nous travailler, ça va jouer sur notre métabolisme, et d'avoir une musculature bien forte, bien complète sur l'ensemble de la séance. D'accord? Donc, on va commencer par des squats classiques, 10 squats, mais par contre, on va les travailler le plus lentement possible.
D'accord? De façon à pouvoir travailler la phase excentrique, donc la phase descendante, et créer un maximum de déchirures musculaires au niveau des appuis. Pas besoin d'accessoires, juste le corps. Et on est parti sur une séance, sur une série de 10 squats lents. On aura ensuite une minute de repos et je vous expliquerai au fur et à mesure de la séance les différentes étapes. Allez, on est parti. Courage. Vous êtes prêts? On est prêts. Go. On descend doucement. On s'arrête. Et on revient. Contrôle du mouvement. Y a rien de... Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aller en squat complet, descendre. Et sinon, pour les autres, vous pouvez vous arrêter simplement en demi-squat, ici. Ça suffit. Donc, vous voyez, les cuisses parallèles au sol. Hop, on descend doucement. Normalement, on est déjà bien chaud. Ouais, sur 4 répétitions. Hop, et on remonte doucement. Pensez à inspirer par le nez quand vous descendez. Ouais, j'ai du mal, moi. Et expirer par la bouche quand vous remontez. Pour 5. 6. On descend doucement. Doucement, 7. 8. Encore 2. 9. Non, il ne blague pas, ça va. Et 10. Super. Une minute de repos. J'ai mal au cuisseau. Une minute de repos. Une récréation, mais ça fait. Ah, j'ai mal. On est parti sur une minute de repos. Donc pour la deuxième session qui va s'amorcer, on va faire des squats avec une phase en isométrie. Donc on va bloquer en demi-squat et on va bloquer pendant une seconde. Donc on va descendre ici en demi-squat, là, hop, boum, et on s'arrête une seconde. Un, on compte, et on remonte tout doucement, simplement. D'accord ? Et on va répéter l'opération 10 fois. Ça va, il est mignon. On fait une petite seconde. On boit bien. Allez, pensez à vous hydrater pendant la séance. Une seule petite gorgée, ça suffit largement, ça ne sert à rien de trop boire. Vous buvez juste une petite gorgée, histoire de vous hydrater, mouiller un peu la langue et c'est réglé. Allez, encore 5 secondes. Allez, courage. Je pose. Et on est parti pour la deuxième série. On descend, hop, tout doucement. Boum, 1. Et on remonte, doucement. On repart. Doucement, boum. Deux. Allez, vous êtes capable. Une fois. On s'arrête. Trois. Trois. Super. Quatre. Bloc. Cinq. Cinq. Allez, encore cinq. Bloc. Six. Descends doucement, bloc. 7. 7. On redescend, bloc. 8, encore 8. Allez, encore 2. Boum. 1. Et la dernière, on bloque. Nickel. Et on remonte. Et on remonte. Super. Deuxième série. Deuxième série. Une minute. Deux. Une minute. Une minute de repos. Donc, sur cette troisième série, on va réitérer la phase isométrique. Donc, on va bloquer encore, mais cette fois-ci pendant 2 secondes. On descend doucement, on se met en demi-squat, on bloque 2 secondes et on remonte. D'accord ? Okay. On s'hydrate un petit peu, on souffle. Tiens, moi aussi, je vais m'hydrater. Ah, moi aussi, je vais avoir la tête. Je comprends, mais j'ai pas tout la bouche. Alors, encore 30 secondes. J'ai pas de bouteille d'eau. Allez, on est chaud, déterminé les gars. Normalement, vous devez sentir que ça commence un petit peu à chauffer. Ouais, ça va. Moi, les sensations un petit peu. Moi, c'est parfait. C'est impeccable. Allez, encore 13 secondes. N'oubliez pas, demi-squat, blocage isométrique, 2 secondes. Ça, c'est génial, l'isométrie, c'est archi efficace. Hop. Allez, c'est parti. On est parti. Allez. On y va doucement. Boum, bloc, 1, 2, et on remonte doucement, pour 1, on descend, 1, 2,
2. Boum. 1, 2. Pour 3. On pense à inspirer par le nez et expirer par la bouche quand on remonte. 1, 2. Pour 4. Boum. 1, 2. Pour 5. 5. Allez, on descend. 1, 2, pour 6. 6. Essayez de garder votre genou un petit peu avant vos pointes de pied pour avoir un squat bien propre. On ne dépasse pas trop la pointe de pied avec les genoux, voire avant. Allez, encore 3. Bloc. 1, 2. Et on remonte. Encore une fois. 1, 2. Et la dernière. Alors. Bloc. 1, 2. Je crois que je vais me faire l'instant. Et c'est réglé. Une minute de repos. Nickel. Je crois que je vais aller. Voilà, durant ces 2 minutes de repos, j'en profite pour vous expliquer la prochaine phase. Donc, il nous reste 35 secondes. Sur cette troisième phase, on va repartir en demi-squat. Par contre, cette fois-ci, on va faire deux petits mouvements, d'accord? Donc, on va descendre ici, boum, on s'arrête, on descend 1, 2, et on remonte. On répète ça 10 fois d'affilée, et après, on a une minute de pause. Allez, encore 14 secondes, on respire bien. Et on est reparti. Allez, go. On descend. Boum. 1, 2. Et on monte. C'est parti. 1, 2. Pour 2. 1, 2. 3. Pour 3. 1, 2. Pour 4. Pour 4. 1, 2. Pour 5. 5. 1, 2. Pour 6. 6. 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, et la dernière, 1 et 2. Là, on est bon. Là. Ouais, je te jure. On repart. Une minute de pause. Alors, c'est la dernière session. La dernière série de ce squat, on va la faire d'un seul trait. Donc, c'est 3 exercices squat d'affilée. On a le squat classique, donc enfin le demi-squat. Je vous demande de vous arrêter au demi-squat. Voir un squat complet si vous êtes vraiment motivé. Mais le demi-squat me va largement. Ensuite, on va faire. Alors, c'est 6 répétitions de demi-squat, d'accord? Tranquillement, lentement. 6 répétitions de demi-squat rapide, voire du squat rapide. Et ensuite, 6 squat jump, d'accord? Et on répète l'opération 3 fois. Par contre, en ce qui concerne les squat jump, quand vous allez les faire, on est ici, on peut soit sauter ou éventuellement ici, hop, partant d'extension au niveau des talons. Regardez, là, boum, juste comme ça, si vous avez du mal avec le genou. Et on répète l'opération 3 fois. Allez, la minute étant terminée, on actionne. Courage! Les squats lents 6 fois. 1. Hop. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Donc on s'entend. 5. Attention, c'est la dernière. 6. 6. Et on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les squat jumps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lent. On descend. Deuxième série. Courage, je rassure. Prends le temps. 2, on descend. J'ai soif. 3, on respire bien.
4, 5, attention à l'accélération, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, les squat jumps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lent, allez, courage, 1, on en profite pour respirer, 2 pour souffler, 3, 4, allez, dernière série, 5, ce sont l'accélération, 6, on accélère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les squat jumps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça c'est fait, bravo à tous. Tu peux nous dire bravo, waouh, horrible. 2 minutes de repos, buvez un petit peu et on se retrouve. 2 minutes de repos, ça tech, franchement ça m'a tué, tué. En tout cas, c'est super efficace. Voilà, durant ces 2 minutes de repos, j'en profite pour vous expliquer la prochaine phase. Donc, on va avoir les abdominaux, on va partir sur des crunchs, ensuite touche talon et ensuite 10 secondes de gainage. 1 minute de repos et ensuite on répète l'opération 6 fois d'affilée. D'accord ? Ça vous laissera le temps de récupérer un petit peu au niveau du souffle. On a juste besoin du tapis, comme je vous l'ai dit. On cale juste ici. On est bien. Je vous montre rapidement pour les crunchs. Alors, pour les crunchs, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas recommandé de remonter directement vers les genoux. Parce que les abdos ne prennent pas 100% de la charge au-delà d'une certaine amplitude. Et en plus, ça appuie sur les organes qui eux-mêmes appuient sur le périnée. Donc, je ne recommande pas de remonter jusqu'au bout. Ce que je peux vous proposer, c'est de monter. Donc, pareil, position de crunch, de monter vers le plafond et de simplement relever les omoplates du sol, tout simplement. Et là, vous avez 100% d'engagement au niveau des abdos. Touche talon ici. Voilà. Donc, 10 crunch, 10 touches talons. Et dès qu'on a terminé, on passe en planche pour pouvoir travailler le transverse. Le transverse, celui qui est responsable du ventre. Et voilà, 10 secondes. Allez, il nous reste plus beaucoup de temps. Pour l'opération, crunch, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Touche talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe à la planche. Allez, position de planche. Cette même planche que vous voyez ici, vous pouvez la faire. Donc, vous mettez en position de planche si vous le souhaitez. Et vous pouvez, hop, la faire sur la main. Et si c'est vraiment trop dur au niveau de la position, vous avez juste à baisser le bassin. D'accord ? Donc, vous posez les genoux au sol. Les abdos sont quand même engagés. Et c'est OK. Pour ceux qui peuvent, sur les mains, jambes tendues. Ou sur les avant-bras, jambes tendues. Et on relâche, parce qu'à mon avis, ça fait 10 secondes. 1 minute de repos. 1 minute de repos bien mérité. Ah putain, je suis dead. Donc, première série, on répète cette opération 6 fois d'affilée. Donc, il nous reste 5. 1 minute de repos entre chaque. Et on est bon pour les abdos. Je vais brancher mon chargeur pour la. Alors, sur la partie abdos, évitez de trop boire aussi. Hein. Pareil, vraiment une petite goutte sur la langue. Histoire de mouiller un petit peu, bon, moi je parle beaucoup, donc forcément, c'est un peu sec. Allez, 20 secondes, on va se déterminer, on va la finir cette série, on va la finir cette séance, ça va passer tout seul. 10 secondes. Allez, en position, 5, 4, 3, 2, et c'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notre gainage en planche. Allez, 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous me dites, là, si elles sont trop rapides, c'est bon pour vous. C'est très bien. Et on repart sur une minute de repos. Donc sur le crunch, on va avoir le grand droit qui va travailler. Hop. Bah, les crunchs, ça te bute. Sur les crunchs, on va avoir le grand droit qui va travailler, donc les abdos du haut. Sur le touche-talon, on va avoir les obliques, ce qui permet une rotation de buste, d'accord? Et qui protège aussi tous les flancs. Et sur le gainage, donc la planche, on va avoir le transverse. Le transverse, c'est les abdos profonds, en fait, qui, eux, vont maintenir les organes à l'intérieur et qui vont être responsables du ventre plat. Donc globalement, on est complet. Vous avez même le pyramidal qui va travailler sur le gainage. Donc on est assez complet sur la séance d'abdos. Allez, on souffle bien. Moins de 30 secondes. Et on va partir sur la troisième. Allez, courage, défi. N'oubliez pas, vous pouvez poser sur les genoux quand vous faites votre gainage. On a un poids pour les crunchs. Allez, encore 8 secondes. Un petit poids, même une bouteille d'eau. Il n'y a pas besoin de matos. Pas sport. Allez, c'est parti. Allez, crunch, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Touche talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Notre petit gainage. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, courage. 7. 8. 8. 9. Et 10. On pose. Et on est parti pour notre petite minute de repos. Ouais, c'est très bien. Il va nous en manquer 3. 10 secondes. Comment ça, 10 secondes? Ça fait même pas 30 secondes. Allez, courage, les filles. Et on est reparti pour la quatrième. Il en reste 2 après. Allez. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Allez, touche ta main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. On repasse la planche. Allez, courage les amis, c'est presque terminé. On ne lâche rien, on respire bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai monté un peu vite. C'est bien, trop vite, ça monte bien. Ça commence à chauffer un petit peu. On repart sur une minute de repos. J'ai oublié de vous le dire, mais quand vous faites les crunchs, essayez d'expirer par la bouche quand vous montez et inspirez par le nez quand vous descendez. Tout simplement, ça va permettre au diaphragme de bien faire son boulot au bon moment et au ventre de ne pas être gonflé. Donc respirez, prenez toujours cette habitude de respirer correctement et de ventiler en permanence quand vous faites l'effort pour ne pas suffoquer, pour ne pas être en hypoxie, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de dioxyde de carbone dans le corps.
pour que vous ne soyez pas en surchauffe. C'est super important de ventiler tout le temps. Donc même quand c'est dur et que vous avez tendance à couper le souffle pour pouvoir continuer votre effort, c'est une erreur. Il faut continuer à respirer quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on est en aérobie et le corps consomme principalement de l'oxygène pour pouvoir fonctionner. Donc il faut absolument ventiler en permanence. Allez, 10 secondes. Allez. On part sur notre cinquième. C'est parti. On la fait ensemble celle-là. Comme d'habitude, on ne lâche pas. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Touche talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre petit gainage. Allez, je vais essayer de rattraper quelques petites secondes. Ah, non, non. Et lentement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Alors, reposez-vous. Bravo, bravo, bravo. C'est très bien, on a presque terminé. Il nous en reste une, juste une. Et ensuite, on passe à fessier. Pour l'effort, pareil, respirer, ventiler en permanence et on va y arriver. Allez, 8 secondes. Allez, dernière série, les filles. Courage. Vous serez fiers de vous après. Notre dernière. La dernière, pour parole. Allez. Et we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez courage, 9 et 10. Touche talon, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier gainage. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez aussi le faire sur les genoux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Super. Allez, on fait une transition de 2 minutes, histoire de souffler un petit peu. Et ensuite, on passe tout de suite sur les fessiers. Sur les fessiers après. On va travailler sur du relevé de bassin. Je vais donner les indications pendant qu'on le fait, ça va être plus simple. Voilà, encore une minute de repos. C'est bien, je suis contente. J'espère que vous avez pu digérer un petit peu toute la séance précédente, toute la série précédente. On va repartir là maintenant, on va repartir sur les fessiers, en l'occurrence les grands fessiers. Donc la partie arrondie, celle qu'on aime bien. Il nous reste 44 secondes. Je monte rapidement le mouvement. Donc on a les pieds à plat, les genoux relevés, la tête contre le sol, les mains le long du corps, d'accord, on va le long du corps. Et on va simplement relever le bassin ici et redescendre. On va partir sur 20 répétitions, 20 secondes d'isométrie, 18 répétitions, 18 secondes d'isométrie. Et on s'arrête à 12. Et à 12, c'est terminé. Encore 15 secondes et on terminera par une petite finition sur les fessiers, vous verrez, génial, un petit truc que je vous ai concocté spécialement pour vous, pour affiner encore tout ça. Allez, allez, on est parti, je vous souhaite bon courage, surtout on n'abandonne pas. Jamais. Hop, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on respire bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez courage, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est reparti. Comment on va faire ça? C'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on s'accroche, 9, 10, 11, 12, 13, bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est reparti. Allez, la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12, relâche, ah ben, ça fait du bien, quand ça s'arrête, tu es malade. Alors, on se fait comment là, cette petite séance facile? Elle commence, hein. On repart sur une minute de repos et on se termine les fessiers comme il faut. On va partir dans un premier temps en quadruplédie, juste ici. Et on va partir en élévation de jambes, ici. 10 répétitions. De toute façon, je vais vous montrer, je vais vous expliquer les exercices au fur et à mesure. C'est très simple. Allez, courage. Il n'a pas blagué avec nous. Vous pouvez prendre une petite gorgée si vous souhaitez. Ferme 2 secondes. Allez, courage, c'est bien de finir. Allez, plus vous allez faire les mouvements, on arrive sur la fin. Mieux vous allez y arriver. Boum, c'est parti. Élévation de jambes pour 1. 2, il faut tendre la main. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, descend. Ah là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, ça brûle. 9, 10. Ah, on met le genou sur le côté et on tend la jambe. 1, ah ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Élévation latérale du genou pour 1, 2, le chien qui fait pipi. Allez, 3, 4, allez les amis. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer de jambe. Hop. Eh, franchement, et ça tu changes de côté. Allez, courage. C'est parti pour l'autre jambe, élévation latérale. Élévation des jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux sur le côté, on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Élévation latérale du genou pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. C'est pas encore terminé, on finit. J'ai les jambes qui brûlent. Une petite minute. On va faire ça après une séance libre. Ah. Ouais, les amis, c'est presque terminé. On va terminer les fessiers par petits moyens fessiers, donc le creux de la fesse ici. On va travailler ça pour que ça s'affine. Un groupe musculaire va être travaillé dans son entièreté. C'est super important. Ça sert à rien de travailler que le grand fessier et pas le reste. Le muscle, il a besoin d'être travaillé dans son entièreté. Donc on va compléter l'exercice jusqu'au bout. Donc là, on va s'attaquer au petit moyen fessier. Allez, c'est bien possible. Après, on va aller équiper. C'est très bien, j'adore, parce que c'est un super point. Allez, celle-ci, c'est vraiment la dernière. On tient, on tient, on tient. 10 secondes. Allez, courage, just do it. Hop. J'y vais même prêt, est-ce que je veux dire ou pas? On se met de profil. Ah ouais, ça c'est bien. Juste là, on lève la jambe ici, on ramène le genou en arme, on chasse. Et on redescend. Pour 1, on monte, on arme, on chasse, on descend. Pour 2, on ramène, on monte. Pour ça, bien inspirer. 3, on ramène et on descend. 4, 5, 6, 7, mince. 8, 9 et 10. On reste là-haut, petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène le genou devant, hop, et on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9 et 10. On va changer. Allez, dernière série. Et après,
on s'étire, de profil, on lève, on a, on chasse et on descend pour 1. Hop, hop, 2. 2. Hop, hop, 3. 3. 4. 5. 6. On pose pas le pied. 7. 8. 9. Très bien. 10. Et 10. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène le genou devant et on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est terminé. Bravo. J'ai grave kiffé. Cuisse à deux fessiers, terminé. On va faire une petite séance d'étirement, pas très longue, parce que ça ne sert à rien de tout étirer, vu qu'on a fait de la déchirure musculaire. On va juste assouplir 30 petites secondes et on est tranquille. Franchement, on est top. J'ai grave kiffé ça, mais j'espère que tu nous en referas. Dites-le en commentaire, les filles, si vous en comprenez. 22 secondes. J'ai grave kiffé, toi, j'aime la peine. Allez, sans transition. Sans transition aucune. On s'assoit. On tend une jambe, on ramène votre jambe ici, talon fesses ici. Donc soit on pose les deux mains en arrière, les deux coudes en arrière. Et pour ceux qui sont un peu plus souples, ils peuvent mettre le dos directement. Ce qui n'est pas mon cas. Donc on va partir sur 30 secondes, tout simplement. J'ai plus de souplesse, ça m'a attristé, je ne vous cache pas. C'est parti. Wesh, je peux pas moi de l'autre côté. Allez, respire bien. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Au secours. Mais j'ai mal. J'arrive pas à me tendre de l'autre côté. Ah, je peux pas ça. Ça me fait super mal ici. Alors, pour 10 secondes. Allez, on se repose doucement. Hop. On va ramener le pied au-dessus de notre jambe et on tire le genou avec le coude opposé. On respire. Voilà, ça va nous tirer les fessiers. J'adore les étirements comme ça. Si vous n'avez pas trop de sensation, vous pouvez ramener le genou au montant ici. J'aime trop. Hop. On relâche doucement. On part sur l'autre jambe, on va mettre le talon au niveau des fesses, on descend sur main ou coude du dos, on respire. Oui, j'ai pas de souplesse, ça. Tu peux m'expliquer pourquoi? Wesh, ça me déprime. Aïe, j'ai mal, ça. Mais j'arrive pas. Ah, ça se fait pas, comment j'arrive pas? Très bien. Comment il fait? On se relève doucement. On va partir sur l'autre jambe. Je suis triste de ouf. Ça fait grave du bien. Je sens direct là. Ah, j'adore. Alors, on récupère doucement, on souffle bien. Vous pouvez fermer les yeux, vous détendre. Hop, et on relâche. Donc voilà les amis, cette petite séance CAF que je vous ai présentée. On a tout fait, on a fait les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les abdominaux, les lombaires. Tous ces muscles, de toute façon, se coordonnent pour pouvoir permettre un bon fonctionnement du bas du corps. On en a besoin. Les abdos, c'est pour les transitions de force. Donc tout ça, c'est super important. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai grave kiffé. Je vous referai une vidéo à votre demande si vous le souhaitez. Ou à la demande de Nat, extension, si elle le souhaite. Je ferai une autre vidéo. De façon. Voilà, notre séance 4 se termine sur ça. J'espère qu'elle vous a plu.
De ouf. Merci à toi, Nat, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir présenter une séance à ton public. J'espère que vous serez tous contents et satisfaits. Pensez à bien vous hydrater durant la séance. Mettez votre minute de repos. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop dur au niveau des transitions, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute 30 de repos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand vous partez, quand vous finissez les squats, 2 minutes de repos. Quand vous terminez les abdominaux, 2 minutes de repos. Et avant les étirements, vous pouvez mettre 2 minutes de repos aussi si vraiment vous êtes fatigué. Mais normalement, les étirements, vous avez vu, ça ne dure pas très longtemps. On n'aura pas trop de soucis sur le sujet. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, gardez la pêche, on ne lâche rien. Merci beaucoup, Sam, ça déchire de ouf. J'ai trop kiffé. Du coup, mes amis, on en a fini avec ce cours qui était fort sympathique. J'ai grave kiffé. Je suis super fier de moi. Il est 20h, j'avais grave la flemme. Mais comment que je suis fier de moi. Franchement, ça déchire. N'hésitez pas à dire à Sam qu'il refasse des cours avec nous, s'il vous plaît, en commentaire, parce que c'est un vrai coach. Moi, je ne me sens pas légitime de faire des cours aussi cadrés que ça, parce que je ne suis pas coach, tout simplement, chacun son métier. Et franchement, je kiffe. Et ça me fait grave plaisir, parce que c'est un super bon coach à la salle à Edville, et je le kiffais de ouf. Donc, ça fait super plaisir qu'il prenne de son temps, de son énergie, pour nous faire un cours. Franchement, ça déchire. C'est un super bon gars, Sam, et merci du fond du cœur. Vraiment. Allez le soutenir sur sa chaîne YouTube, mais ça fait... j'ai plus de souffle. Allez l'encourager, allez lui dire qu'il nous refasse des cours en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à lui demander quel cours vous préférez qu'il nous fasse. Et comme ça, il s'adaptera pour cours moyens, débutants, enfin, cours de, je sais pas moi, cours pour les bras, pour les, le haut du corps, bas du corps. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. J'espère que ce super cours vous aura plu, vous aura donné la pêche et la santé. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le refaire indéfiniment. Et ça, ça déchire de ouf. Et franchement, ça m'a fait grave kiffer. Et j'espère que vous kifferez et qu'on en refera plein d'autres. Bref, pourquoi pas des lives des fois de temps en temps, un cours ensemble, ça peut être sympathique. Je sais pas, écoutez, je vous attends, on attend vos commentaires, vos réactions à cette formidable, intense séance de sport. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Merci Sam, parce que là, j'ai éliminé toutes les conneries que j'ai bouffées ce week-end. C'est pas grave, demain on retourne à la salle, on est carré, on est OP. J'ai mangé McDo, mes abdos sont toujours là. Comment te dire que je suis fière? Non, franchement, ce cours, il est hell, hein. Regarde, tablette de chocolat, tomate marmande, tout ce qu'on aime. Non, ça déchire, j'ai grave kiffé, je suis grave fière de moi, fraîchement. Tu vois, quand t'as la flemme, tu le fais, après t'es heureux de vivre. Ma parole d'honneur. Bref, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé. Personne ne prendra soin de vous à votre place, donc faites-le tout de suite maintenant. Merci beaucoup mon poteau, tu déchires de ouf. Tire avant dans ta carrière et tu réussiras tout ce que tu entreprends, crois-moi. Salam alaikum poteau, merci du fond du cœur. Et on en refera ensemble, c'est promis. Ça déchire de ouf, j'ai grave kiffé. Merci beaucoup encore une fois. Et j'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. J'ai chaud, j'ai soif. Je vais aller m'hydrater.